15 janvier 1993, 15 janvier 2018, voici 25 ans que les Tchadiens se sont réunis pour faire table rase du passé et asseoir les fondations d'un État démocratique. Le Tchad pleure la disparition d'un de ses dignes fils. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques n'est plus. Cher Hassani Sena Bakar s'est éteint hier nuit à Paris de suite de maladie. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition du journal. Aujourd'hui, 15 janvier, cela fait 25 ans que les Tchadiens, dans leur ensemble, se sont retrouvés pour jeter les bases d'une société démocratique, ouvrant ainsi l'ère du multipartisme et mettant ainsi fin à la dévolution du pouvoir par les armes. Un flashback sur les temps forts de la Conférence nationale souveraine. Ahmad Yahya Abbas. C'était le vendredi 15 janvier 1993 que les Tchadiens se sont retrouvés pour décrypter l'histoire de leur destin. Cette date historique a marqué l'ouverture de la Conférence nationale souveraine. Les Tchadiens, au-delà de leurs appartenances politiques, ethniques et culturelles, ont décidé à l'initiation d'identifier, d'analyser et de proposer des pistes et des solutions à tout le monde qui mine le développement du pays. Les responsables politiques et les associations de la société civile, les leaders religieux et les autorités traditionnelles ainsi que d'autres partenaires ont pris l'engagement de faire table rase sur le passé et jeter les nouvelles bases du développement socio-économique du Tchad. Dans son discours d'ouverture qui a duré plus de 2 heures, le président de la République, Idriss Déby, avait présenté un tableau sombre d'un pays longtemps déchiré par les affres de la guerre et les clivages ethniques. Le chef de l'État a invité les participants à surpasser les douleurs du passé. Idriss Déby les exhorte à regarder dans la même direction pour la construction d'une société unie et prospère. Après cette déclaration, les langues se délient et place au débat franc et contradictoire s'articulant autour des différentes crises que ce pays a connues. Qu'il faudrait qu'on trouve une solution en dehors de cette salle. Il faudrait en particulier que les grands groupes qui constitue la Conférence nationale, essaie de se retrouver pour repérer quels sont les points de blocage, aussi bien aujourd'hui dans le règlement intérieur que demain dans d'autres problèmes qui vont se poser, pour qu'on essaie de discuter et de se mettre d'accord. Parce que si nous voulons que les problèmes soient réglés en plénière, ils ne le seront jamais. Monsieur le Président, prenez vos responsabilités pour que dans cette salle, la solution soit trouvée. Il n'y a pas à aller se voir dans les coulisses à l'extérieur pour revenir. Autrement dit, la Conférence nationale n'aura pas de sens. C'est impossible. Nous ne recherchons pas les débats de couloir. Et nous sommes venus dans cette salle, à cette conférence, pour livrer notre réflexion par rapport à notre attitude d'acteur. Tous les problèmes seront évoqués. Le problème du bilinguisme, le problème de la forme de l'État, le problème d'opposition nord-sud, le problème d'opposition chrétien-musulman, le problème des ingérences extérieures, tous ces problèmes seront abordés dans cette salle. Par conséquent, nous n'avons pas peur. La Conférence nationale souveraine souffre d'une petite maladie. Cette petite maladie, à mon avis, s'appelle la tripartiomite. Et comme on sait, une maladie est vite arrivée, mais elle part très difficilement. C'est pourquoi tout le monde est unanime pour qu'on élise un présidium. 90 jours ont permis aux participants de mettre en place l'équipe gouvernementale de la transition dirigée par Abdelkrim Fidel Mungar. La Conférence nationale souveraine de 1993 a ainsi marqué un tournant décisif dans la construction d'un Tchad nouveau et respecté dans les concerts des nations. Il faut dire que la conférence a été précédée par une période de tension et de division entre les fils d'une même nation. Le chef de l'État, Idriss Déby, avait invité les participants à la conférence à faire table rase du passé et de se focaliser sur le futur. En abordant les problèmes du Tchad, nous ne devons pas raisonner en plaignant et en défendant, mais en élément d'une même société à la recherche de solutions communes. De sorte qu'à l'issue de cette conférence, comme beaucoup l'ont dit, il n'y ait
ni vainqueur, ni vaincu, mais une société soudée par des intérêts communs et régie par des règles claires et sécurisantes. Le président du Présidium, Adou Maurice Elbongo, à l'ouverture des travaux, a déclamé un poème mémorable. L'accent a été mis sur la justice. Suivez. Je souhaiterais donc que cette maison du bonheur, que cette maison de tous les Tchadiens, solidement construite, s'élève où mes mains auraient voulu l'élever. Qu'elle rit au soleil, riche de vérité, de fleurs, de fruits, d'oiseaux, et largement ouverte au souffle du printemps comme aux clartés du ciel. Que l'abeille ouvrière y bâtisse son miel, que l'hymne de la joie humaine y retentisse, et que tout y soit beauté quand tout y sera justice. 25 ans après la conférence nationale souveraine, deux acteurs majeurs de ce forum, Jondan Enoch et Amatrasa Balla Soubiane, nous situent sur les attentes de la population lors de la tenue de cette conférence. Nos attentes, c'est d'apporter vraiment tous les éléments concrets à cette refondation, des principes sur lesquels le peuple tchadien devrait être entièrement d'accord en dépit des différences, des diversités qui sont naturelles et normales, en dépit du poids du passé qui a été douloureux. Il y a aussi tous les éléments positifs qu'il fallait construire dans un consensus accepté par le plus grand nombre pour pouvoir vraiment construire un avenir meilleur pour notre pays. 25 ans après, jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui a pu se faire positivement dans ce pays découle plus ou moins du consensus de la Conférence nationale souveraine. Donc, si il y a peut-être des défis qui subsistent, ces défis viennent plutôt des résistances au consensus national. Il faudrait maintenir le consensus national pour arriver à résorber les particularismes qui conduisent aux divisions, aux exclusions, à la violence. Il fallait donc trouver un consensus. Il fallait que les Tchadiens déversent tout ce qu'ils ont dans le cœur pour pouvoir se réconcilier. Et effectivement, nous avons réussi cette partie parce que la conférence a duré pratiquement plus de 3 mois. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont été dites et les gens sont sortis réconciliés pour faire un chemin ensemble. Qu'on donne place à l'argument, il faut cesser de se voir en chien défaillance. Si le système de multipartisme ne répond pas à... On n'a qu'à réfléchir sur un système qui nous permettra de vivre côte à côte et de se respecter et de s'aimer. La Conférence nationale souveraine, c'est un aspect de notre histoire qui malheureusement n'est pas encore inscrit au programme des cours d'histoire dans les établissements. Du coup, ceux qui sont plus jeunes sont surpris par l'importance que leurs aînés accordent à cette date. Notre reporter Ali Mahmad Bello s'est approché des jeunes nés après cette date. Il a même rencontré une qui est née le 15 janvier 1993. Suivez ce reportage. À ses heures perdues, son bébé en main, elle est toujours devant la télé. Mendiel Virginie fait partie de la génération née dans les années 93. 15 janvier plus précisément, alors que le Tchad écrit un nouvel épisode de son histoire à la Conférence nationale souveraine, naquit à la maternité de Delhi, dans les Logones occidentales, cette jeune femme aujourd'hui âgée de 25 ans. Bien qu'elle n'ait pas vécu l'événement, Virginie se plaît à penser qu'il existe un lien fort entre elle et la Conférence nationale souveraine du Tchad. Cette histoire, c'est mon papa qui me l'a racontée. C'est quand j'étais en classe de ce semaine, il m'a raconté que voilà, toi, tu es née
le 15 janvier 1993. Est-ce que tu connais cette date? J'ai dit non. Il a dit voilà, si tu ne connais pas, cette date, c'est une date historique pour toi parce que c'est cette date-là que toutes les couches sociopolitiques ont tenu une conférence ici à N'Djamena, au palais du 15 janvier. Donc, il faut retenir que la conférence nationale souveraine, c'est aussi une date historique pour toi. Si la date du 15 janvier vaut de l'or aux yeux de Virginie, ce n'est pas le cas chez bon nombre de jeunes de son âge. Ce matin, dans la cour de quelques établissements scolaires, il manifeste un désintérêt réel pour cette histoire du Tchad. Cette date ne me dit absolument rien. Je ne connais pas. Je ne m'en souviens pas de cette date. Pourquoi? La conférence nationale souveraine, c'est pour le développement du Tchad. La conférence souveraine, c'était en Allemagne, en 1984 et en 1985. Visiblement, entre les cadets du lycée et les aînés de l'université, difficile de faire la différence. Conférence nationale, je n'ai aucune notion encore sur la conférence. Pourquoi? Tu n'as jamais appris? Bon, c'est que là, je suis à l'école, mais il n'a pas encore. Je n'ai pas aussi de notion palpable. Bon, je n'ai aucune idée. Tu n'as jamais écouté parler de la conférence nationale? Non, pourquoi? Bon, parce que je suis informé. La conférence nationale souveraine. Ok. Je crois que c'est organisé en 96, hein, si je m'en rappelle bien. Mm-hmm. Où les politiciens et les partis civils ont mis sur pied la nouvelle constitution tchadienne. La conférence nationale souveraine, c'est la date là où on a établi la loi de fonctionnement de la constitution du Tchad. L'histoire et les récits des événements passés, dit-on. Celle-ci, de par son importance, mérite d'être enseignée aux jeunes dans les écoles, de peur de laisser à l'avenir une jeunesse sans repères, sans histoire.